Sortir de l'ombre, ne plus dissimuler leur homosexualité, elles l'ont fait il y a une quinzaine d'années. Au vu de leur expérience, ces Ajaxiennes veulent aider les jeunes à supporter les regards, s'accepter et se faire accepter. Bienvenue chez vous, leur association propose avant tout une écoute. Les objectifs de l'association, c'est de venir en aide aux jeunes LGBT entre 15 et 25 ans. Alors on a choisi entre 15 et 25 ans parce que justement la période de construction de la personnalité, c'est là où c'est le plus difficile de s'affirmer en tant qu'homosexuel ou transgenre. Elles auront bientôt un local, mais pour l'instant c'est par Facebook qu'elles se font connaître. Lors de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie le 20 mai, elles ont défilé sur le cours Napoléon avec quelques drapeaux. Se faire remarquer, organiser des gay pride, l'objectif n'est pas là, juste sensibiliser pour que l'hostilité devienne bienveillance. Une soixantaine de membres déjà, leur association espère faire des interventions dans les collèges et lycées. J'ai aidé un transgenre récemment qui était exclu de sa famille et qui cherchait un hébergement. Ça se passe dans les familles parce que c'est très difficile pour des parents d'accepter un enfant homosexuel. Je ne dis pas que tous les parents sont homophobes, loin de là, c'est pas le cas. Il y a des parents qui acceptent leurs enfants tels qu'ils sont, et heureusement. Mais c'est vrai que dans les familles, il y a souvent des préjugés qui restent, des tabous de l'ancien temps, bien que ça existe depuis la nuit des temps, et qu'il y a des parents qui n'acceptent pas, qui vivent très mal que leur enfant soit homosexuel. Indignées par l'acte homophobe dénoncé à Ajaccio la semaine passée, elles sont encore plus déterminées à agir pour faire accepter par tous la liberté d'aimer.